pour nous faire un petit balai et pour nous parler politique, et nous dit ça tout le temps. Pour nous voir si il y a possibilité pour nous sortir. Et dans ce nous est là, nos problèmes, nos difficultés. Et que nous sommes là, c'est très difficile. Donc, il y a un peu de pour nous parler après midi. Discours président contre candidat là. Et comme l'été dit, c'est sous TNH avec Radio Télé Guinée, que la bannière soit en toute exclusivité. Donc, n'a pas fait ça, nous pas brûler discours. Mais nous fait le connaître, nous avons un discours déjà. Et nous n'avons pas de parce que nous sommes nous-mêmes qui se coupent. Ok? Et j'ai l'impression d'entendre des discours ça, n'importe 3 ou 4 ou 4 déjà. Ok? Donc, il faut me dire président ça. Il faut me dire président quand j'ai besoin des discours ça. Discours 22 minutes, 17 secondes comme ça. Et nous avons des discours déjà. Et dans le discours, demandez au président chercher et joindre une solution à la crise là. Il m'a dit pour sénateur, député, il m'a dit pour les gens qui ont oligarchie, des monopoles, ils ont même tout pour contribuer. Et il fait mea culpa, et pour le Parlement haïtien, alors Sénat surtout, pour toute bêtise que vous faites ces derniers temps en bas, donc il m'a dit pardon. Et il dit dans le discours à tout que il n'est pas président au groupe, donc il n'est pas président majorité. Il pas président minorité, il pas président qui a gouverné avec le président Jovenel Moïse. Il est juste président Sénat, président de l'Assemblée nationale. Donc, sénateur, ouais, nous avons un teneur discours. Donc, comme vous avez dit, son baroque de manière exclusive à deux médias bien distincts, hein, bien choisis, peut-être. Et nous quittons le bout. Vous qui diffusez ni et dans la soirée, mais Mabdou Sam a un discours depuis 3h de temps. D'ailleurs, bon, ça qui est essentiel. Et la dani. Bon, baronne, qui nous a dit un petit tour et puis nous la gueule. C'est un peu de monde qui a demandé pour nous diffuser ni et nous qui a diffusé. Mais là, ça a une exclusivité. On a dit on n'a pas besoin encore, puisqu'il y a un peu de temps ni là. Donc, on est exclusivité à nous. Donc, c'est pour dire que le discours a blagué à 2h. Mais ça, et m'tap bien dans le game, m'tap bien dans le game, m'tap bien là, m'tap la gueule, et pour t'ab bien passé. Je me disais, ok, l'autre va passer bien du tout. Ok, dans le discours, on dit, ok, 8 mois de président Sénat, et du coup, 8 mois mal passé. Donc, ça lui dit, ou t'ab bien passé, je dis, ah. Mais moi, comment qu'on dit flair d'intelligence. Ouais, tu m'as dit, ok. Qu'il ne faut pas passer là comme ça. Bon, ok. Mais il y a moins de plus que ça, je veux dire. Moins de plus que ça, parce qu'il faut jouer des entités qui mettent tout le monde dans l'état Chita. Et je ne sais pas quoi c'est dans la Kafel. Et nous, tout le check nous fait, que c'est pouvoir, que c'est opposition, tout le check nous fait, nous sommes blancs pour nous. Chaque lundi, nous sommes blancs pour nous aller, nous sommes blancs pour nous déclarer. Nous courons à l'île, et puis blanc dit, il va m'aider dans le bain, nous, avec la fête. Ok? Bon, il y a une déclaration Marco Rubio, sénateur américain, ça. Et, mon cher, mon nom pouvoir, mon nom position, comment vous voulez le bain? Mon conseil en anglais, il y a chaque gars interprété le genre, par il y a regardé pour eux, dans l'avantage qui moun, Marco Rubio, parce que monsieur dit, il n'est pas d'irrité. Il va dire président, il va dire président, il va dire président. Sénateur. Allez, oui, on sénateur. Tout ce que tu as cherché. Depuis Miami Herald, on est là, on a un article, on oublie si Miami Herald est un journaliste qui cite. Oui, qui a fait un reportage, qui a écrit pour lui. Depuis Miami Herald, là, on a un article, soit pour voir l'opposition, couille à le prendre pour regarder qui est bon pour la donne. Et puis cette fois-ci, il y a pris le prendre là, et puis il y a un podcast qui va le bailler tout le monde. Pour nous, mais ça blanc dit, monsieur, nous avons un problème, nous, comme si nous pouvons rester avec blanc. Nous devons rester avec blanc. Bon, oui, blanc, c'est dernier temps qu'il a dit, nous pas sous ça, dégagez-nous entre nous. Et dernier déclaration, Marco Rubio, il t'a dû faire nous comprendre que, semble que nous avons déchiré nous là, nous avons tué nous l'autre là, il y aurait l'autre bar et réglé ces derniers temps, il va m'occuper de nous. Et je ne vais pas me suspendre à rappeler que Edmond Supplice Brésil dit, dans la dernière réunion, il a dit encore groupe là, il a dit, ils sont fatigués, ils en ont marre.
Et pas moi qui dis, c'est Edmond Supplice Bozil dans le Capdil. Il dit, ben, il dit, il est fatigué avec nous. Il est fatigué avec nous. Et ça, quoi, ces derniers temps, même là, on a fait tout ça, on a fait là, même là, le pays président incapable pour le diriger, ou Marco Obrador, il n'a pas dit ni pour le président aller, il n'a pas dit pour le président arrêter. Et mon petit beaucoup de président, il même fâché par les blancs. Il a voulu le barou, dans la tête par où, ça veut dire que blanc pas dit pour l'aller. Nous avons une position qui voulait le barou, elle voulait dire que de pour blanc dit, il n'a pas dit pour arrêter, il n'a pas dit pour aller, dans le langage codé et dit le deal, il n'a pas avoir encore, il a go. D'ailleurs, même un titre qui l'a dit comme ça, qui dit que blanc l'a dit, Jovenel. Un sénateur, pour nous comprendre. Oui, un sénateur. C'est-à-dire que l'opposition est pouvoir chercher. Qui ça blanc dit? Nous avons chaque dormi, chaque réveil après 3 ans, 4 ans, il a regardé pour ouais. Sur Facebook, là, il a regardé sur Twitter, Miami Herald ou bien au Gazette International, puis regardez qui ça a dit. Je ne suis pas sérieux du tout. Bon, et nous parlons aussi de Gary Larry, et nous pouvons Gary. Nous parlons de Gary. Nous parlons de Gary. Alors, et sous question que Val t'a parlé tout à l'heure là, allez pas Val, non, Capane. Et, on s'est arrivé que, bon, je ne sais pas si il y a des gens qui ne font rien, non, Capane, dès qu'on a fait, et il y a Capane, dès qu'on a fait, ou bien il y a Capane, fait, et son il y a qui arrive n'importe où, hein, son il y a qui arrive n'importe où. Et puisque quand on est jeune lasca au basse et quand on seul bail li bagay son seul bail quand on bagay comme jeune garçon et quand on pas fait nos familles gagne bien l'argent donc même les campagnes qu'on voyager mais il pas habitude de voyager avec l'argent ça quand on n'a pas l'argent voyager avec l'argent donc c'est que son petit groupe mon dans pays et c'est ça qui est crime même dans tout boulot là qui parlait d'injustice sociale là. C'est-à-dire que ouais, groupe nèg qui habitué gagner l'argent. Et bah l'argent même nous on comprend même en 2019 ou capable pas connait ça. C'est-à-dire l'argent pas connait. Il pas habitué à l'argent mais pour pêcher nous. Puisque majorité mon ici qui code tout le monde qui en fait comme là. C'est-à-dire que on est pas comme si trop fier de dire à tout le monde comme en Haïti. Bah tout le monde qui a tout le monde fait comme dans pays là. Donc quand on va bagarre rapport ça, mais si quand on a un problème avec quelqu'un, quand on a un million de mille, ça quand on a un million. Ça quand on a, si c'est 10 000 dollars américains qui ont besoin pour que plus soit parti, contrairement, il faut expliquer que comme la sortie, bon, il n'y a pas tout comme ça, vous le voyez. Bon, et général Kabaï, parce que je dis, on fait bataille à l'autre gens, on fait sous tout boulot là. Et sous tout boulot là, il faut nous faire campagne là. Et puis en plus, Marco. Oui, t'as information, et pour nous faire, et pour nous bailler sur tweet boulos là. Tweet boulos là qui inclut boulos tout, qui est une minorité dans le pays, qui est plus qu'au pays. Et c'est eux qui ne peuvent pas permettre que reste mon gens capables de vivre. Et sur tweet la bonne, il y a des diversions pour nous pas faire dans tweet la bonne. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, des données de l'économiste Kester Farrell. 20% de monde qui est riche, plus que 60% de richesse pays à nommer. Et 20% de monde qui est pauvre, et je crois que pas de là-dedans, il a gagné moins que 2%. 20% de monde qui est riche, plus que 60%. 20% de monde qui est pauvre, il a gagné moins que 2%. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pas dit ça, non? 20% de monde qui pipe en vie, il y a moins que 2%. C'est-à-dire que si c'est moins que 2%, il y a un sacopane qui va aller comme il a besoin pour le parti. Il a connu ça. Ou bien, il y a un petit ou 12 ans, 13 ans, 14 ans. Il connaît ça. Pour qui ça? Il levait le Weimar Goyo. Il levait la dedans. Et avantage que vous avez gagné, peut-être que vous avez gagné, sa maman et papa va mourir qui était pour petit là. On est à l'école. Si on n'est qu'à prendre lit, par rapport à qui ton bibliothèque remplie, mais ça va empêcher que le cerveau soit vide. Il lit pour lit, vous comprenez bien? Mais on est qu'il doit, par chance, c'est pour lever vos jeunes parents, que ton fortune.
Et Haïti est le pays côté frontière mal acquise. Il gère quand même. Il profite. C'est grand côté qui ça profite. Et dès pas profiter de ça tout pour mettre pion sous coup l'autre monde. Parce que assez souvent entre pile dans nous et ça seulement crée la différence. Et nous pas pomper sous nèg avec parce que en pile nèg comme qui j'en nous fait. Et c'est ça que Stéphane explique dans données que le bayo 20% moun qui pi riche yo. Yo gen plus que 60% bien payé à nommer. Et en 20% ça on a joine que 5% moun qui pi riche yo gen plus que 80%. Et m'assure que dans 5% moun qui pi riche yo gen plus que 80% richesse payé et loyer. Donc c'est normal pour qu'on qui va le cob moun. Et c'est bon bah que même ou connaît en 2019, c'est bon bah ou connaît depuis longtemps. Parce que vous habitué dans ça, mais on est pas habitué dans ça. Haïti débat, Haïti débat, Haïti débat. Vous comprenez? Si vous demandez qu'on va nous bailler sous droit, sous Sciences Po, il faut expliquer qu'on lit très bien. Mais moi, la question de l'argent est où pour vous demander? C'est pas normal, lui. C'est pas normal, lui. Là, si vous avez une balle de doigts, là, vous avez tombé. Vous avez tombé dans le bail qui va aller de communication, en fait. Le web tweet. Bonsoir Gary. Bonsoir Marco. Bonsoir Campagne. Bonsoir Valéry. Mon jeune frère de Gaulle. Lombard. Bonsoir à tout auditeur et auditrice et tout le monde qui est là, Capitaine. Et là, je devais dire, Marco, merci pour le forfait ou venu. Pour capable remission service parce qu'on était couché. On fait tout effort ça, mais si madame n'a tout fait effort ça, qu'on va à la campagne se dit pour le faire, mais tout vient de la là. Et moi je l'ai dit, chaque nuit, les collaborateurs, ils mettent tête, là où fait un bagage, ils font une erreur. Nous prenons responsabilité au 10 à 10. Parce que nous-mêmes, nous avons dit explicite. Et nous avons dit la liste qui savent nous dit. Mais le diable était venu faire une intervention, on dit très fier. L'équipe qui a pu avoir. Même si on est plus fier toujours pour mon pays, ça va faire pour mon pays, qui a des moyens. La donne qui est plus petit moyen pour mieux caler ta riche, ta pâte parce que bien, le produit, parce que c'est des éléments de production, le capable de produire intellectuel, le capable de tout garder, tout le monde dans le parce que notre pays qui a mode, notre pays qui a mode, c'est mieux qu'il y a l'argent qui mène, même si dans notre pays civilisé et tout, nous voterons, mais qui est comme bien mené, mais respecté. Jeune dans une forme qu'à l'école. Moi, je voulais dire que le chien aboie, la caravane passe. Donc, comment vous voulez introduire le propos de ce après-midi à l'émission Haïti Débat pour dénoncer le plus simplement du monde l'assassin de la mémoire? Les assassins du peuple haïtien. Cette position que m'a exprimée après-midi, elle passif que le faux soi du changement ou le faux soi légitime du système de corruption est changé de comportement et de paradigme. Là, on est menti, nous passons vite, le bâti menti, nous passons vite. Là, on fait erreur, passif. Le pillage, la dilapidation des fonds publics reste et demeure indélébile de la mémoire collective parce que justement son vérité absolue, son vérité de la Paris, dans le pays ça, que nous avons pillé l'État. Alors, aujourd'hui, nous sommes en mode de juge pétro-caribé. Nous sommes en mode de dénotification de tous les complots détectés
monté de pièce par une minorité d'hommes affaiblis, soutenus par les politiciens véreux. Les politiciens sérieux, ils ont avec mon élite sérieux, ils ont des avantages financiers scandaleux. Parce que ça a été bien comme moyen. Ça a fait dans l'État, ils ont été là, ils ont dirigé les proximités du pouvoir pour faire hors normes. Pas respecté principe, et ça fait aujourd'hui, il y a dénoncé un peu partout parce que eux autres ils ont vidé les caisses de l'État de la République. Je les appelle moi-même mercenaires politiques qui se tapent dans l'ombre depuis des années et ils offrent tête, petite, matin, nommé à nez qui sous pouvoir aujourd'hui et à nez qui était sous pouvoir dans le passé. C'est eux-mêmes qui appauvrit l'État. Je sais autant qu'un autre, pas eux-mêmes de toute façon. La mémoire n'est pas l'histoire, que ce qui a été dit hier à l'émission n'est qu'une tragédie. Montez le sur l'histoire que vous voulez fonctionner, ça vous voulez faire de éléments importants. Vous frappez l'imaginaire là, et pas l'imaginaire que vous cherchez. Ça peut chercher, c'est l'argent que vous voulez dire. C'est lui qui est important. Peut-être la mémoire histoire. Et la mémoire monde qui fait mal. Et c'est pour ça que les assassins de la mémoire, je reprends un petit peu Pierre Vidal. Mais l'histoire que je veux retenir moi-même, c'est celle du crime d'État, du vol et du viol collectif. Les gens choisissent cibler mon opposition. Mon absence comme cibla, ce n'est pas aucun problème. Cibla, c'est mes qui tenaient l'État, c'est volé. Ils sont des secteurs privés, composés avec l'État, ils sont des gens qui sont dans la politique, qui sont au pouvoir, qui étaient au pouvoir, et qui ont mis des gens au pouvoir. De l'échec de Jean-Bertrand, en passant par la liquidation des entreprises de l'État sur le préval. Jusqu'au pillage du fond du pétrocar sous Matéli, n'est-ce pas que c'est le roi qui permet le peuple à garder et qui voit tout niveau vol à pillage d'État qui s'est offert. C'est au même plan de miroir et de faciliter le peuple à faire. Aujourd'hui, la misère des humbles augmente parce que le gommage est l'État. Mais il va dire. L'arrogance des puissants devient aujourd'hui insupportable. L'arrogance des voleurs devient aujourd'hui insupportable. L'histoire non moins, avec militisme, je dis à lui au cauchemar, parce que moi, les ennemis de la nation, c'est eux qui font la leçon à des gens du peuple, à des gens de bonne volonté. Mais je vous assure, hein, que ma révolution a tourné et la révolution approche. Et le cri de cet après-midi, ce n'est pas une réponse aux méchants, aux escrocs, aux médiocres. C'est une contribution intellectuelle visant à délégitimer les doxas ou la doxa des maîtres. On va la mettre. Donc, si pour mettre. Parce que nous sommes des gens qui sont à l'école, qui sont formés et qui voulaient le peuple là. Comprendre. Toute la vie de Tiché est nulle. Nous ne pouvons pas dire que le peuple qui est nul. Mais la pour qui est nul. Et c'est un fort jugement pour qu'arriver à faire. C'est-à-dire tout le monde qui est nul. Alors, pour revenir à tout ça, je reviens à l'histoire du département de Reginald Bulos. Je suis journaliste dans l'âme, j'ai une politique à l'inagier, donc je parle en France, une méthodologie d'enquête et de recherche, même si c'est des cours que je te suis par séquence à Paris et pendant 3 ans, aller-retour, comme c'est fini. Donc ça permet maintenant toujours que des 4 journalistes, moi j'aime bien parler. Mais ça permet de nous garder un bagage. Les photos, Reginald Bulos,
sur Internet, partagé. Et me dit, en tant que père qui t'a dit, puisque nous sommes des hommes d'affaires en Haïti, on a toujours fait ça pour eux, une façon pour eux montrer que le pays a, donc il y a un monde d'affaires. Vous êtes tous les gens d'affaires, et tout le monde est politique tout le temps, et à l'États-Unis, on fait l'autre côté pour eux. Parce que des députés qui n'étaient pas capables, des députés d'affaires, tout qui est difficulté, ils ont été visibles. Donc, ils ne sont pas capables d'aller dans notre pays, mais partis quand même. Mais, j'ai des associations. Autrefois, on ne parlait pas de Réginald Boulos. Je ne parle pas de lui que sur les pays. Tout le monde est parti, je ne parle pas de lui. Ça fait bien. On dit, voilà, maintenant, pourquoi je suis en faute? Réginald est devenu important. Comment il s'y apprentit? Il dit souvent de fois, il a le droit de voyager comme tous les gens, comme tout le monde. Mais Réginald est le seul homme du secteur privé jusqu'à présent qui s'est visiblement de cette boue politique et le démocratiquement des faucons de l'ombre. Il démocratique des faucons de l'ombre. Réginald est parti pour plusieurs raisons, parce que je suis journaliste. Malgré, premièrement, il est parti pour contrer la diaspora des médecins. Ben, je suis pour permettre à médecins intégrer, lui expliquer qui s'est passé en Haïti, parce que lui, il travaille au renversement de Jovenel Moïse. Et deuxièmement, il est parti pour participer à une émission extraordinaire capolée par plusieurs radios, que Alex Tessuré voulait l'inviter. Je suis journaliste. Alors, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le temps d'Original Boulos, parce que a laissé le pays parce qu'il est ambition pour internationaliser en plus la question haïtienne. Ah bon, Original Boulos fait du poids, mais c'est du poids politique. Il domine, comme nous, une bonne partie du secteur politique. Ah, c'est important, parce que Original Boulos est la troisième voie. Il a passé et plusieurs après de le pouvoir. Il a participé financièrement et en termes de conseil. Tout le monde sait qu'il était avec les promoteurs, il était des amis avec Aristide, il a aidé René Préval, il était bon ami René Préval, il était aidé Michel Martelly, lui-même conseiller Michel Martelly. Pendant un certain nombre de temps, il était l'homme le plus important de l'époque du secteur privé. Monsieur négocie avec privé. Et puis, monsieur aidé Jovenel Moïse. Je ne dis pas que ça encore. Réginald Boulos, clairement, je ne pas que ça encore. Il va le faire politique. C'est la tête. Il n'est pas dans les visibilités des autres. C'est une chapelle pour inverser les Haïti débat. Et quand il intervient à la radio, il dit clairement qu'il ne veut pas de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse doit partir. Mais il a mandat quand il est à la radio et il parle de l'autre. Position, la ligne, le salon et la palle. Et je crois que c'est tout à son nom. Mais quand les ennemis d'Original Boulos, du coup, la troisième voie, c'est encore une bonne chose. Je suis content qu'il y ait des gens qui, visiblement, et qui, ces gens-là, soutiennent Ah oui, bravo. Nous voulons plus de monde, pareil qu'il y a, de vivre, voir, dire, même soutenir Original Boulos, au moins, il y a moins en moins de candidats. Mais je dis en passant que Réginal Boulos se défend. Et Michel fait plusieurs fois, mais toute émission gagne, il est tellement brillant. Parler avec son verbe, les mercenaires et les pyromanes de l'air passé. J'ai bien dit, les mercenaires et les pyromanes de l'air passé. Donc, Réginal est parti, mais son staff. Et que lui, c'est pas pour contourner la lutte et le béton. Cette bonne leçon de voir Réginald à la table politique, à côté de Louis, à côté de Nenel, à côté de Cato, à côté de Jean-Michel, à côté de FK, à côté de Beaubleu, à côté des Fers de Lance, comme il m'allait. Monsieur Réginald a été dans le département, en tournée dans le département du centre. Et dans le passé, et je vous dis encore, il peut toujours continuer à faire la mobilisation
et ça paraît simple si monsieur Jean comme si monsieur fait. Et comme on le sait, on l'a déjà dit, et nous expliquait son culture style, et Réginald Le Sourd a remporté dans Sacré, dans Valérie, des limites, qui nous donne, et Autoplaza, et Rousseau. Parce que ça vaut en pile et ça vaut pas qu'à aucun côté. Mais Réginald parle à Madrid, pour assister à un match de football pendant qu'il y a des difficultés. Et bien, sinon, même, on a dénoncé. Donc, il doit partir. Surtout, en Haïti, tout le monde parti. Et n'importe qui a parti. N'importe qui. Pensez pas à ce qui est temps. Si non, Matita a répondu à un pays, et puis on a parlé à l'étranger. Maintenant, moi, après l'enfant, et du pays a souffert, les centres potentiels, parce que on lui doit politique. Les gens du secteur privé, qui ont fait à l'aise correctement, qui ont pas eu des mots avec le peuple. Maintenant, je crois que c'est comprendre le diable. Est devenu très peu de temps comme politique important issu du secteur privé des affaires. Si quelqu'un soutient l'original, ou qu'a soutenu l'original, parce qu'il y a un courant original qui a passé. Normal, parce qu'il y a des gens qui sont toujours les éternels opportunistes dans la vie. On a toujours soutenu l'original. Ok. Ça vous fait. Seul pour moi, pas écraser moi. On fait ça. Sur les relations publiques, pour les inales, pour une troisième fois, comme Dali, FL, Lalane, le copain. Parallèlement, donc, le pays, ça, depuis le bouger, je vais essayer. Bouger, je vais téléphoner. Non, plat. Donc, est-ce que vous la mettre continuer? Oui, oui, ça va maintenant, ça va. D'accord. Donc, ma voix dit donc, pas besoin de faire déclaration sur ça. Nous quittons ça, est-ce que ça y tourne? En devant pour nous. Ce qui est intéressant, c'est que il faut lancer le peuple haïtien dans le pays total. Le peuple haïtien a besoin d'identifier Joël. Tout le monde qui est dans la politique pour aider, il a pédé. C'est à de faire photo. On est capable. Nous-mêmes, oubliez ça. On peut pas dire, comme M. Paris, on peut pas dire. Le plus important aujourd'hui, c'est la mobilisation. Le plus important aujourd'hui, c'est des milliers de monde qui ont pris le migrant en pays. C'est moi qui ai population qui a vu en dessous du seuil de pauvreté, 95% qui a vu en dessous du seuil de pauvreté absolue, et c'est une crise alimentaire terrible de 2 millions de monde qui ont mangé chaque jour. L'autre chiffre tout à l'heure. C'est ça qui est important. Donc, vivons. Il n'a pas chaque matin. Il n'a fonctionnement chaque matin. Nous-mêmes, nous parlons pour toi. Et nous parlons qu'un des pouvoirs. Et nous parlons pour vous. Nous-mêmes, nous avons collaboration avec tout le secteur. Et nous avons demandé tout le temps pour mettre ou faire une route pour résoudre le problème pays. Avant le départ de Jovenel, après le départ de Jovenel, mais avec des gens importants qui sont capables. Pourquoi la pétro-carité? Pourquoi elle insister sur ça? Parce que pour, depuis après le procès, tout le monde a la lumière de l'ITA. Mais il y a un cas qui a le haï sur tout le monde. Mais là, on est sur le privé, dans le pétro-carité, dans le politique, dans le pétro-carité. Pourquoi? Puisque je ne suis pas juge. Mais là, il y a un procès pour elle. Donc, nous, la parole est à la radio aujourd'hui. Mais nous respectons les réseaux. Respectons les réseaux. Les réseaux, le réseau social, c'est légitime. Mais c'est extrêmement important. Peuvent parler. Et quand ou ce n'est qui connu, l'on parlait du dérangé. L'on inconnu ou toujours accusé. Par exemple, comme le truc que l'on fait, et bien on dit c'est Gary de Bochal. Le truc là, mais c'est. Ce n'est pas de Gary de Bochal, mais j'ai laissé le truc passer, même si je me permettais pour campagne, même si c'était passé comme vous ça, parce que en fait, ça a eu lieu, c'est une vérité. C'est le pays ici qui a dirigé une question. Parce que, bien sûr, je me dis que je venais aller, ça a fait tout, parce que je ne suis pas amené à aller moi-même. Même de cette
politique, il a mené l'autre de la rue. N'est-ce pas si politique, il a mené l'autre de la rue. Moi, je ne peux pas demander pour un journaliste, je ne peux pas demander pour parler. Donc, alors, je dis à nous, dis donc, il y a un gros problème. Marco t'a parlé tout à l'heure de Cantave. Marco, ça a toujours mettre la vie sous Cantave là parce que nous n'avons pas de rétention d'information ici. Ouais. Ok? Comme tu dis, nous, le. Oui, après ça, vous ne pouvez pas de rétention d'information. De quoi vous parlez, non? Que vous, nous. Pas de rétention d'information que ici, nous sommes avec TNH, qui est le Guinée, et nous sommes avec Cantave. Que nouvelle n'a pas que ta nationalité. Si que ta l'habitude pour n'attendre de nous-mêmes, peuple a besoin de ça que tu as dit, comme si pour une télévision, pour une radio télévision. Alors ce sont ces deux médias qui représentent Ndavedou et le Sénat de la République. Mm-hmm. Mais nous, nous représentons la nation. Je connais ce qu'on parle là déjà. Charles de Gaulle. Donc il est là, oui. Mais qui l'a préparé le dos? On ne peut pas aller pour la guerre parce que nous représentons une autre nation. Alors pour conclure, nous avons dit nos informations. C'est ma guerre, non, pas de un petit moment. Okay. Il y a deux guerres qui sont passées là. Il y a une décision, ma croix suivante. Je l'ai vu. Van Valgo, c'est un congrès américain. Ça va prendre. Ah ouais, mais ma tenue officielle, en Vomville, et la discussion va être là. Il y en a qui? Oui, mais par contre, pas là avec Nicotav, Nicaribo, l'audi, oui, on est au courant. C'est ça qui fait ça. Mais il y a comme décision et qu'on va rencontrer Donald Trump, je le dis. Mais mon budget, parce que nous, moi, je suis important comme ça. Le Tadjou, deuxième bail qui j'ai. Haïti débat. Concernant Jovenel, beaucoup de bon monde qui pourrait venir aller à l'étranger, bon, qu'est-ce que vous voulez aller? Mais qui est une problématique. Il y a une qui sont SEO, qui sont leaders politiques, qui vous ressemblent à quoi vous suivez. Deuxièmement, c'est une qui a américain qui parle de composer avec elle, pour son passé douteux, et qu'elle parle chaque deux nègres à eux. Non. Pression politique, blanc pas le voter. Parce que blanc pas promettre pouvoir à tout le monde qui a eu comme ça. Faut que les cas qu'on est, au fond, qui bat. Mais machine mobilisation peuple là, la marché, parce que peuple a le goût. Donc, après ça, il y a un article sur Sougari, ou du Rougari, n'a pas de Caribe. C'est ça une dimension. Ouais. Situation. Oh, Gary, je vais te dire. Qui voit mes amis? Gary est de la logique de la bataille populaire. Mais Gary a déstabilisé la nation. On va identifier le monde pour me voir tuer le monde. Et pas j'aime tuer le monde. Et pour plus, on m'a dit, je n'ai jamais participé à la faillite de mes amis. Merci. Je vous dis bonsoir. Je vous dis bonsoir. Merci. Qu'est-ce que me fait. Nous sommes quatre au micro. Quatre éléments de la casse-moi. Quatre éléments de la casse-moi. Quatre universités. Macron dit à l'heure, campagne, belle. Pas riche, va la même. Pas riche, m'ajouter. Nous, quand on va passer pour une richesse, un fils de l'homme en tajiste. Quand on va ajuster. Les voleurs et les fausses voyeurs, ils sont là, ils nous écoutent. Mais écoutez, on peut toujours faire le changement avec eux. Mais pour changer le système, il y a un pile d'ailleurs à projet. Parce que, pour les paris, et pour capable pour la révolution. Parce que ce soit plus l'histoire de. De Cuba, top capable de faire la révolution ensemble avec nous. Mais pas trahir. Pas trahir. Pas montrer leur aider pour le respecter. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas le roi. Nous sommes le roi. Parce que nous faisons partie du peuple. Et de votre argent,
qui est toujours derrière nous. Et c'est pour ça que nous prenons la révolution. Pas grand problème, monsieur. Et nous pas qu'à éterniser nous sur des bagailles. L'accessoire. Des accessoires. Et si nous avons fait ça, et laisse à tout, et laisse à nous rentrer dans la diversion. Nous ne pouvons pas répondre à ça. Si vous regardez le problème pays, et président Sénat, président Assemblée nationale, là, les deux chambres sont réunies. Moi, les cadre de visite, je plus que j'ai écrit président Assemblée nationale. Président Sénat, oui. Donc, président Sénat, Assemblée nationale, là, les deux chambres sont réunies. OK? Président Sénat, Carmen Akantav, M. Sentil touché par la situation qui gagne dans le pays. Bon, il faut y avoir, dans notre tweet, il était dit c'est sous TNH avec Elio Guinée qui la baille exclusivité. Bon, il fait ça. Mais j'aime d'abdil tout à l'heure, bien avant que nous devons faire la campagne là, à 2h, moi je dégaine depuis 3 ans avant. Vous voyez, nous sommes venus là-bas. Ok, nous avons gagné depuis 3 états avant, c'est que nous avons gagné. Et nous, même qui se coupe. Donc, l'information, nous n'avons pas gagné. Et Jean-Garry Soudian n'a pas quitté le public, nous avons souffert. Et pour l'information, nous avons peut-être que nous avons entendu qui s'est gagné dans le discours adressé à la nation, ça, que le sénateur Kantav, adresse à la nation. Oui, adresse à la nation du président du Sénat. Bon, ok. Bon, nous allons faire commenter, monsieur. Et nous allons attendre. Nous allons faire commenter, oui. Même si mon comportement ça, il n'est pas approprié à une cible de société comme ça, qui est déjà divisée. Donc, ce qu'on information, c'est une information pour le pays. Ou l'adresse à la nation. Pour que ça, bon. Le média ou sélectionné. Non, mais Gorizon, oui. Gorizon, sur les bases. Puis devant, il y a compris. Parce que vous allez sélectionner deux. Mais c'est parce qu'on les sélectionné. Il y a Gorizon. Non, il y a un TNH. Non, mais l'autre. Le média où c'est un TNH et puis c'est les Guinées. Deux. Mais pour que ça sélectionne. Puis devant. C'est toi, oui, ça va le bon nom. Ok, on a le dernier discours, président, Sénat, Kalouya Katav. Sous quoi? Peuple haïtien, chers collègues sénateurs, depuis 8 mois que je dirige cette prestigieuse assemblée du Sénat, j'ai fait le choix d'être sobre dans le parler, mais aujourd'hui, la gravité des derniers événements, le danger imminent qui plane sur le destin de notre institution et le pays en général, me dicte l'impérieux devoir de m'adresser à vous et à la nation tout entière. Le Sénat de la République, chers collègues, n'est pas une église. Je n'ai pas l'intention de vous faire une homélie. Le Sénat n'est pas l'armée. Je me soustrais à l'idée de vous haranguer. Le Sénat n'est pas non plus une kindergarten. Loin de moi l'idée de vous gronder. Mais il y a des moments où le silence trop longtemps affiché par des dirigeants, s'il n'est pas rompu, peut projeter une perception d'adhésion qui risque d'être délétère et nocive pour l'institution. In limine litis. Il doit être clair que le président du Sénat, comme beaucoup se plaisent à le répéter à tort, n'a ni camp, ni pôle. Il ne s'associe à aucun groupe, à aucun bloc, à aucune chapelle, aucune idéologie, aucune couleur politique. Il ne fait que faire son travail de président du Sénat au regard de la loi. Il ne sera l'objet d'aucune compromission, d'aucune soumission. Le président du Sénat n'est pas à vendre. Il n'a d'allégeance qu'à l'Assemblée, pour peu que cette dernière reste dans le sillage de la raison et de la rationalité imposée par les lois de la République. Le président du Sénat n'a qu'un seul guide, la Constitution, un seul complice, la loi, un seul phare, les règlements. Il coiffe une assemblée qui doit garder un profil digne, irréprochable, dépositaire de valeurs morales, éthiques, qui doivent inspirer la jeunesse et tout citoyen haïtien
voulant se jeter dans la carrière parlementaire. Le Sénat n'est donc pas un ring de boxe, ni de lutte. Il n'est pas un lieu de pugilat, voire un champ de bataille. Il n'est pas un podium pour l'évolution des artistes de la musique. Il n'est pas un espace pour le carnaval. Il n'est pas la rue. Le Sénat, c'est le Sénat. Une institution sacrée qui habite des dieux. Un lieu de référence qui s'impose en modèle à tous ceux-là qui rêvent de servir leur pays dans le prestige, la dignité imposée par la fonction. Le Sénat est un repère de sages, un lieu où les grands esprits se frottent à la recherche de solutions appropriées aux problèmes du pays. Un endroit où le verbe est roi, où l'arme de la dialectique prime la dialectique des armes. Le Sénat est un espace d'échange où la parole, articulée autour de thèses et d'antithèses, l'emporte sous la brutalité imbécile du sabre. Le Sénat, c'est un cadre discutoire où les plus habiles emprisonnent le temps et charment les esprits par la qualité de leurs joutes oratoires. Le Sénat, composé de pères conscrits, dernier rempart de la démocratie, ne peut pas se permettre d'être un lieu tyrannique où chacun fait et impose sa loi suivant sa volonté. Au Sénat, c'est par la force de l'expression que la raison du plus fort s'impose et non par la violence. Le Sénat est régi par la Constitution, les lois de la République et ses règlements intérieurs. Il faut se soustraire à l'arbitraire et éviter tout précédent dangereux au niveau de ce corps. S'il doit être autrement, alors le Sénat s'éloigne de sa noble mission. Monsieur le Président de la République, collègues sénateurs et sénateureux, peuple haïtien, il y a quelque part quelque chose qui fonctionne mal. Il y a quelque part quelque chose qui disloque le fonctionnement de ce pays. Forcément, il y a quelque part un malaise. On ne doit pas continuer à se bander les yeux. Le malaise social, politique et économique est proéminent. Il fait des vagues répétées. Il produit des flambées récurrentes, déstabilise toutes les composantes de l'État haïtien dans leur productivité et dans leur rendement. Il faut s'arrêter un tantinet pour aplanir les aspérités qui y sont liées. En effet, le pays se porte mal. Il est assis aujourd'hui sur un baril de poudre. Il est au bord de l'explosion qui n'en a pas fait le constat. Messieurs, écoutez, le peuple a faim. Il n'a plus besoin de vaines paroles. Il s'attend à ce qu'on lui tende la main. Le peuple est épuisé. Le peuple est essoufflé. Il a la nécessité de mon lit d'hôpital pour se reposer. Il n'a pas besoin d'être manipulé par des politiciens dans ce camp ou dans l'autre, qui dans ce camp ou dans l'autre le mobilise à des faits personnels. Nous avons tous péché. Nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Que celui qui n'a jamais péché contre ce peuple jette la première pierre sur son voisin en le regardant fixement dans les yeux. N'utilisons pas l'amnésie naïve du peuple haïtien pour nous dédouaner des torts que nous avons tous faits. Remarquons de préférence que tous les grands pécheurs d'hier se sont transformés en donneurs de leçons et en accusateurs aujourd'hui, et le cycle recommencera à chaque fois. Et c'est le peuple qui en paiera le pot cassé. Bon nombre d'entre vous, hier encore vous étiez aux commandes. Bon nombre d'entre vous, hier encore vous aviez le pilotage du navire. Plusieurs d'entre vous, vous avez encore aujourd'hui la conduite de la nacelle. Mais pourquoi n'est-elle jamais arrivée au port? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que nous sommes tous des incompétents. Nous sommes tous des nuls, des hypocrites, des égoïstes, des coursiers de la voie. Et nous avons chacun notre presse érigée en tribunal pour nous blanchir. Qu'on arrête tout cela et qu'on compose pour le bien du peuple haïtien. Sinon, il faudra attendre une nouvelle génération pour laver nos souillures et offrir la rédemption à ce pays. Malheur à vous, jeunesse, si vous choisissez la voie de vos aînés. Monsieur le Président de la République,
Je vous suggère de ne plus écouter les accents de l'histoire qui se répètent et se reproduisent de sa folie biséculaire. Mais je vous prie de la manquer du fond de votre sagesse, de votre humilité. Je vous conseille de l'apprivoiser dans ces tumultes, dans ces dérèglements. Je vous conseille de la raisonner et de lui inculquer les notions élémentaires à son redressement. En effet, il y a des moments où l'histoire fière et souveraine se fléchit elle-même, mais il y en a d'autres par contre, où débile et dépendante, elle fléchit sans sourciller pour s'abandonner à la merci d'âmes fortes et de bras puissants. Aujourd'hui, l'histoire essoufflée, épuisée et manquant de créativité se jette humblement à vos pieds. Désireuse d'apprendre, désireuse de savoir davantage, elle se met à votre écoute, à vous de la mouler, à vous de la rôder, pour calmer ses passions, ses émotions coutumières, et vous présenter ainsi dans son cours, comme celui qui l'a rééduqué et qui a eu raison de ses insolentes passions et de ses soubresauts incontrôlés. Monsieur le Président, j'écoutais avec passion et intérêt votre dernier discours, trop concis et incomplet d'ailleurs. Et je suis désolé, Monsieur le Président, que vous ayez pris acte d'un acte que je ne vous ai pas donné. Le Sénat affirme haut et fort qu'il est loin d'être incapable de jouer son rôle constitutionnel. Le Sénat attend que le garant de la bonne marche des institutions que vous êtes crée les conditions politiques, socio-économiques et surtout sécuritaires pour qu'il accomplisse son dessein avec hauteur dans cette crise qui est essentiellement extra-sénatoriale. Le Sénat vous recommande vivement, Monsieur le Président de la République, de prendre les dispositions pour entamer tout de suite et sans dilatoire le dialogue dans lequel vous avez incessamment engagé la communauté nationale et internationale depuis plus de 6 mois, mais avec les prérequis qui s'imposent aujourd'hui, vu le pourrissement de la crise. Les acteurs doivent déposer leurs armes pour s'asseoir, discuter, négocier et s'entendre sur la direction à donner au pays pour les 25 années à venir à travers un pacte formel de cohabitation basé exclusivement sur les intérêts du pays et de la collectivité haïtienne. Aujourd'hui, n'allons pas par quatre chemins. Le dialogue constitue l'unique et la seule planche de salut pour la résolution de nos maux. Les extraits qui en découleront contribueront à adresser au plus vite à travers un accord sincère dont la teneur est à définir entre vous les acteurs, le conjoncturel et les problèmes de fond de ce pays qui doit être mis sur les rails du progrès, du développement et qui doit marcher vers un horaire de dignité. Au cours de ce dialogue, toutes les options doivent être mises sur la table. Je reprends. Au cours de ce dialogue, toutes les options doivent être mises sur la table. Le personnel parlementaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale, consentira aussi chacun en ce qui concerne le sacrifice nécessaire. Il devra en être ainsi pour tous ceux-là qui ont un mandat dans ce pays. Et que dire pour ceux-là qui sont détenteurs de monopole. Président Jovenel, je dis à faire un compromis. Sénateur, je dis à faire un compromis. Tout secteur, je dis à faire un sacrifice. C'est pour être ça, demandez Président Jovenel, tant d'écrit peuple là. Et fort ou tant d'écrit peuple là. Demandez pour mettre le mandat là sous table là. Tout sénateur opposition, avec majorité ou tout, vous faites partie de crise là. Demandez que vous mettez le mandat sous table là. Cour cassation, cour supérieure des comptes. Demandez tout le monde mettez le mandat sous table là. Demandez tout pour le monde qui est monopole, puis vous mettez le mandat sous table là tout. Je dis à pays a besoin d'une véritable réingénierie pour que les capables avancer. Parce que tout le monde échoue comme dirigeant. Il faut constater ça. C'est peuple seulement, je vous dis, qui a légitimité. C'est peut-être ça, peuple qui doit manifester, l'élever pour exprimer frustration, mais sans craser, sans briser, sans bouler, sans piller les affaires monde. Mes amis, pays a marqué protectorat, nous n'avons pas de danger sous tête non. Pays a marqué guerre civile,
est-ce que nous voulons sang couler dans le pays? Le pays a marqué sang et le peuple là, pas bien en yon dans le jeu de ça. Côté monde après des affaires ou bien yon, avec l'autre monde, nous craser, nous bouler, nous touiller. Grand coup Clorox, misère à battre le peuple là. L'école fermée, petite nous aurait été la caille. L'hôpital pas de la son yaye. Petit peuple là, pas de travail. Crime tourné au bagage normal dans le pays. Viol sous forme à Timoun, pas interpellé pièce force morale encore. Gang et insécurité prend le pays en otage. Route coupée, pas de gaz. En pile l'hôpital fermé potio. Femme enceinte, Timoun petit, moun qui a un problème d'alive, pas qu'à aller à l'hôpital. Ambulance, pas qu'à fonctionner. En pile clinique fermée, moun a mouru tribord babo. Université fermée, touriste pas qu'à rentrer, agriculture tombé à zéro, employé pas qu'à toucher depuis plusieurs mois. Tout secteur a pris frappe dans le pays ça, que ce soit classe en l'air, classe moyenne, classe pauvre, tout le monde a pris frappe. Nation en danger. Et puis malgré tout, chaque deux mois, chaque trois mois, nos chita n'a boumé entre nous, haïtiens que nous y est. Nous disons bravo pour la police qui a fait un gros travail professionnel, qui a protégé, qui a servi nous. Mais attention pour la police pas bouquée, à dépasser, surtout qu'il y a travail dans conditions difficiles. Président Sénat a dit ça, et m'a dit ça encore. Suspendre, faire anti-campé. Nous frappons même pour nous dire non, faire anti-campé. Suspendre gourmet. Suspendre pour le sang, l'autre pour un petit morceau de pouvoir. Il fait trop noir déjà. Enfin, il fait plus noir. Vino pour des lumières unité. Et seulement pour payer à ta grande chance. Nous reconnaissons fort qu'il y a un bagage qui fait. Mais il y a une façon pour le faire. Si pour le président Jovenel aller aujourd'hui, immédiatement, c'est dans le dialogue pour le faire. Si pour l'aller dans 6 mois, c'est dans le dialogue pour le faire. Si pour l'aller dans un an et demi, c'est dans le dialogue pour le faire. L'Italien vote pour nous, c'est blanc qui peut dicter nos solutions à voir sortir pour crise là. Monsieur, prends le cadenas, dès l'autre pays à Bonochita. Vinochita, chacun fait sacrifice pour faire, pour sauver le pays. Haïti doit gagner. Haïti pas qu'à mourir. Haïti pas qu'à perdre. Haïti pas doit périr. Collègues sénateurs, le pays va mal. La goutte connaît une décélération vertigineuse, alors que le dollar s'investit dans sa royauté. L'inflation galope, la paupérisation de la population s'accélère à un rythme inquiétant. L'insécurité exhibe son insolence, ses riches en conquérant, et fait de nous ses prisonniers. Le pays s'asphyxie par manque de dollars frais. Il s'alite et attend que de l'oxygène lui soit apporté. Nous ne pouvons pas le couper, son tuyau d'oxygène. Si serviteurs proclamés du peuple, nous nous érigeons en ses bourreaux. Si mandataires du peuple, nous faisons défection face à notre devoir de l'accompagner. Si co-dépositaires de la souveraineté nationale, nous nous faisons complices de sa souffrance. Si gardiens de ses intérêts, on s'en fait les ravisseurs. Alors, il sera juste que le peuple se rebelle et nous décroive de son action. Il sera juste que le peuple se ravise par rapport au mandat à nous confier. Il sera compréhensible qu'il s'insurge et nous dépossède de notre divinité en nous balançant à jamais de celui sacré qu'est le Sénat. Aujourd'hui, au lieu de nous être déchirés, nous n'avons que seul choix, celui de nous rassembler en frères autour de l'épicentre de la satisfaction des désidératas de la population. Aujourd'hui, nous avons le choix de délivrer ou d'être livrés. Nous avons le choix de servir ou d'être desservis. Nous avons le choix de gagner ou de perdre, de vaincre ou d'être vaincu. Si esprit supérieur que nous sommes, de si simples approches sont au-dessus de notre compétence, alors rendons au peuple cet tablier, retournons au peuple sa souveraineté, disparaissons de la scène stratégique et redevenons les simples citoyens que nous étions. Collègues sénateurs, frères camarades du Sénat, notre posture aujourd'hui se doit d'être historique, d'une historicité conforme au sens sémantique du mot, afin d'interpeller la postérité sur les capacités de dépassement de la 50e législature. Il est vrai, je l'admets,
Le Sénat est en lambeaux aujourd'hui. Les groupes se polarisent et se radicalisent les uns par rapport aux autres. Ils doivent comprendre l'urgente nécessité de s'unir pour sauver la nation en danger. Ce tas d'unité qui s'impose aujourd'hui chez nous au Sénat ne pourra jamais effacer l'ignoble comportement du grand Sénat de la République lors des dernières séances avortées, mais alimentera l'histoire de notre volonté d'évoluer, de notre capacité de reconnaître nos écarts, nos écartades et de les corriger. Il nous permettra de faire amende honorable en démontrant que nous avons la capacité de rebondir. Le Sénat, par la voix de son président, présente ses excuses au peuple haïtien tout entier pour ses déboires, ses fautes, ses incohérences, ses dérives et se porte garant de ce dialogue pour sauver ce qui peut être sauvé. Le Sénat ne mourra pas. Il vivra. Il sera pérenne. Il fera encore plus. Il prendra en main ses responsabilités dans cette crise qui n'a que trop duré. Le président du Sénat, que je suis encore, convoque les sénateurs, toutes chapelles confondues, à une assise urgente, une assise du devoir, pour recoudre le tissu sénatorial déchiré et pour réfléchir sur un scénario rapide de sortie de crise. L'absentéisme n'est plus de mise. La politique de la chaise vide ne tient plus. Le pays a besoin de nous. Pays où besoin, mon collègue. Soit peuple à tout bon vrai, pas été chita palé. Vite mettre main. Moi-même, président, je ne parle ni dans le camp Jovenel, président Jovenel, ni dans le camp majorité, ni dans le camp indépendant, ni dans le camp opposition institutionnelle, moi c'est habite. Moi dans le camp la loi, moi dans le camp la constitution, moi dans le camp intérêt institution à diriger, moi dans le camp intérêt pays. C'est peut-être ça, je continue à faire travail de coordination chita palé en sénateur sans passe pour qui. Et m'a rappelé, pour tout le monde qui ne connaît, que le sénateur Cantave comme président n'a jamais été inactif. Nous passons près de 6 mois, m'a fait travail, fait exécutif la Chita à composition. Groupe dans le Sénat Chita, maintenant groupe dans le Sénat. Côté de Chita, à toute force vive, pays, pour nous joindre une solution à la crise là. Mais un yé, n'a jamais joué comme solution, malgré tout effort que nous faisons. Je dis à. Mais à mes de même conviction ça pour nous voir une solution à crise là à acteur yo. Nous croyons enfin faut dire un bagaille qui dit pays a pas capable encore. Pays a besoin bon chita parler à toute petite ligne. Sénateur frère, vin mettre met ensemble à rex pays a pour sauver Haïti. Sinon nous tout a péri, sinon nous tout a coulé parce que nous tout dans même bateau. Collègues sénateurs, aujourd'hui, le Sénat n'a droit à aucun autre forfait, à aucun autre écart, à aucune autre bêtise. Nous sommes des héros pour avoir mobilisé autant d'électeurs autour de nous. Sachez-le, le peuple n'aime pas que ces héros deviennent des hommes. Restons les passions, les références que nous avons été au moment où nous sollicitions les votes de nos électeurs. Monsieur le Président, de la République. Je vous rappelle que toute solution cosmétique à cette crise politique ne conduira qu'à une impasse et à un éternel recommencement de la crise. Elle doit être réelle, rationnelle, pressante, adaptée à la conjoncture actuelle qui prend des proportions plus qu'alarmantes. Monsieur le Président, dépassez-vous et allez au-delà de l'impossible pour qu'Haïti puisse renaître de ses cendres. Et supportez mieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Haïti. Merci.